Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour nous faire un petit causer avec nous aujourd'hui. Qui c'est 7 mars 2022? 7 mars 2022 fait exactement 8 mois. Depuis bandit, assassin, mercenaire étranger mélangé à haïtien, entre la caille président Jovenel Moïse, il a assassiné dans des conditions déplorables que nous tous connaissons. Jeudi 7 mars, là, c'est un jour avant 8 mars, qui est la journée internationale femme. Dans l'occasion de ça, je voulais retirer le chapeau bien bas devant courage et détermination femme haïtienne. Femme haïtienne, que nous tous connaissons, c'est potomitan société haïtienne. Là. C'est pour tout le temps, famille en Haïti. Moi, je voulais également profiter de ces circonstances pour moi saluer et féliciter Fouen Action qui a vécu dans la diaspora. Moi, je voulais parler de Haïtiens, Haïtiennes qui vivent en République dominicaine. Qui vivent Bahamas, Turks & Caicos, Brésil, Chili, Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent aux États-Unis, mais particulièrement en Floride, Boston, New York, Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent au Canada, Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent en France, vraiment Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent dans la diaspora. Moi, je voulais profiter de occasion ça pour me saluer courage et détermination une série de journalistes de médias en ligne qui a fait un travail sans prix un travail inconditionnel pour qu'embé mémoire président Jovenel Moïse en vie pour qu'embé cause pour justice président Jovenel Moïse là en vie. Là, moi, je voulais parler de Tripotay Lakay, Foucault, Infobeto, Jimmy Afebon TV et Beto Chon. Moi, je voulais parler de Boustadion TV. Moi, je voulais parler de Wendy Fell. Moi, je voulais parler de Zin Lakay, Tambou Vérité, Tcheko Pepla. Moi, je voulais parler de Palais Haïti. Moi, je voulais parler de Marché Douat Chou. Gen en pilote encore. Mais vraiment, moi je voulais mettre accent sur le travail ça. PIA, famille président Jovenel Moïse, allié président Jovenel Moïse, yo, reconnaissant envers le travail que nous avons fait envers nous. Moi je voulais nous connaître ça, moi je voulais nous connaître en pile monde qui ouais travail que nous avons fait pour qu'un bébé moi président. J'ai nous sorti tout à l'heure. Jeudi, c'est 7 mars 2022. 7 juillet 2021, 7 mars 2022, fait exactement 8 mois. Moi, pas venu dire là, ça nous connaît déjà. Exactement 8 mois depuis assassiné président. Moi, pas venu dire nous que l'enquête n'a pas avancé parce que son secret de polichinelle. Ça le dit, son bagage, tout le monde connaît déjà que l'enquête n'a pas marché. Mais tout le monde, tout. Pour qui raison enquête la pape marché tout le monde connaît c'est parce que dans au plus haut niveau dans gouvernement en place là il y a des autorités qui ont un soupçon implication yo dans la mort c'est ça qui fait enquête la pape marché et implication ça c'est pas une invention c'est pas de spéculation soit implication qui documentée est documentée dans rapport de CPJA pas besoin de dire ça nous connaît déjà. Les documentés dans une série de journaux américains, tant que New York Times qui sortit deux gros articles qui ont pile révélation, qui sortit dans CNN qui a fait gros révélation, qui sortit dans Washington Post, pas oublié. Journal ça yo, ces journaux en vain yo écrit un article, yo fait plus que un mois pour y chercher, vérifier, fait que yo pral mettre un article. Pas oublié ces journaux ça yo, qui à cause que un président comme Richard Nixon démissionné après Watergate scandal
scandale Watergate là aux États-Unis. Bien monde à cause de petits intérêts individuels yo, eh bien j'ai yo bouché pour yo refuser admettre que gros autobré ça qui impliqué ou bien qui a soupçon implication sous lui a fait obstruction à la justice. Yo pas jamais qu'a accepté fait ça. Mais grande différence en petit intérêt individuel cap duré un petit temps tout petit avec vérité a qui a là pour tout temps. Vérité pour président Jovenel Moïse jeune justice là, pas gen monde qui ka caché, pas gen monde qui ka caché fait pour ça, j'en ai dit en bon créole. C'est ça que fait dans occasion ça. Moi-même famille président, quelques alliés président, amis président, n'a renouvelé détermination nous, engagement nous et volonté nous pour nous continuer bataille pour président Jovenel Moïse jeune justice. Renouvellement engagement pour président Jovenel Moïse jeune justice là, il dit tout. Renouvellement engagement nous pour nous protéger héritage président Jovenel Moïse et protéger mémoire président Jovenel Moïse. Parce que j'ai tout constaté, oligarque yo travail yo poko fini. Yo te commencé assassiner caractère président Jovenel Moïse elle était en vie, assassiner caractère famille jusqu'à ce que yo te assassiné physiquement. Mais kounia y a continué pour sale mémoire président, sale image président Jovenel Moïse. Donc bataille pour justice ali tout c'est protéger mémoire président. Mais tout c'est garder en vie héritage président Jovenel Moïse que oligarque veut effacer. Oui, yo veut effacer tout travail, gros travail président Jovenel Moïse a fait pour peuple haïtien. Nous ka poser tête nous quelques questions. Pour qui ça pas gain aucun suivi qui fait sous majorité chantier que président Jovenel Moïse t'a commencé. Pas oublier que chantier ça a été commencé, c'est pas parce que budget l'état a gain plus cob ou bien c'est pas parce que tu gain plus coopération internationale côté organisation internationale ou bien pays amis yo t'a bail l'argent. Mais c'est parce que président Jovenel Moïse te gen en pile volonté pour te engager pays à sourail développement tout bon vrai malgré en pile blocage que président te rencontré sous chemin. Côté usine asphalte, pour qui ça processus fait route dans tout pays en dehors yo campé. Mon nord-est yo, côté usine asphalte non. Pour qu'il salle pas qu'avait non réalité depuis après l'assassinat qui fait sous président 7 juillet 2021. Mais bon ça clair. C'est pour exactement ça yo, yo assassiné président Jovenel Moïse. Mon nano yo. Pour qu'il ça centrale électrique Saint-Philomène na au Cap. Pour qu'il met. Alors que il pas manqué rien. Pour qui ça centrale électrique Saint-Raphaël pour qu'on ca fonctionner normalement alors que il est installé depuis beaucoup de temps. Mon grande rivière. Pour qui ça barrage la Tanneria pour qu'on ca ban nous bon service pour qu'on ca fonctionner ban nous bon service comme ça t'a supposé fait. Réponse encore simple. C'est volonté président Jovenel Moïse qui te donne ben l'impression que province est important pour l'autorité qui installe Port-au-Prince. Mais quoi nous connaît, réalité centralisation est toujours marque fabrique République Port-au-Prince. Province pas important pour l'autorité qui installe dans Port-au-Prince. Avant président Jovenel Moïse t'es assassiné, General Electric
tu viens faire une belle étude dans la ville au Cap pour te construire une centrale électrique de 40 MW. 30 MW à partir gaz propane et 10 MW à partir énergie solaire. Projet ça a abdomi dans Tiwa Gonek Port-au-Prince. Alors qu'il t'a coûté seulement 28 millions de dollars. Tout tiralé ça yo pour me dire que absence président Jovenel Moïse voulait dire en pile bagaille pour Haïti. Mais plus particulièrement l'écouter en pile à monde qui sorti loin loin loin. Je dis à en pile gros manœuvre fait pour oligarque corrompu yo reprendre place yo. En pile maille a metté pour tout ça président Jovenel Moïse t'a fait pour pays d'Haïti pas effacé. Oligarque corrompu yo décidé continuer boycotter Haïti. Yo pas décidé inaugurer et puis limer centrale électrique Kafoua. Yo pas décidé inaugurer et puis limer centrale électrique Saint-Philomène dans au Cap. Pas oublier centrale Saint-Philomène plus centrale qui est sous boulevard au Cap là. L'état bay courant ou bien t'as supposé bay courant à 7 communes qui c'est Cap-Haïtien, Plaine du Nord, Milo, Pomago, Akul du Nord, Limbé et Balembe. Oligakyo pas décidé faire fonctionner centrale électrique Saint-Raphaël qui lui-même t'a supposé lui-même Saint-Raphaël Rankit, Pillon avec la Victoire. Yo pas décidé continuer avec processus pour installer de micro réseaux micro centrales dans tout département pays à Jean-Jovenel Moïse à Machefel. Yo pas décidé continuer à usine asphalte, yo pas parler de yo encore. Donc bataille pour justice pour Jovenel Moïse, c'est bataille pour protéger héritage ça yo tout. Parce que Jovenel Moïse mouri pour ça le quoi pour bataille pour monde qui vit loin 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 yo qui a gagné courant pour pays a ka soura et développement tout bon vrai. Volonté gouvernement ça oligarque pour détruire héritage ça tout le monde well. Mais oligarque gouvernement ça pas capable même défendre ça nous relie les intérêts supérieurs de la nation causer mu que Abinadel a fait sous frontière sont exemples qui clairs. Nous étonnés comme haïtiens, c'est gouvernement haïtien qui se porte parole à Abinadel sur question mu qu'a construit sous frontière. Gen pil moun qui rele misa au mur de la honte et de la haine. Nous-mêmes nous reconnaît droit pays voisin pour le protéger frontière. Mais question à poser, est-ce que le fait selon traité accord international que deux pays ça aussi? Est-ce que gouvernement ça li entré dans bon genre discussion avec autorité dominicaine pour protéger l'intégrité territoriale nationale? Gagne un ensemble de traités à accord que nous signé pour ça. Par exemple, le 21 janvier 1929, nous avons signé un accord, un traité avec la République dominicaine sur une limitation frontière du pays. Le 27 février 1935, nous signé un autre accord additionnel
Et le 9 mars 1936, nous signons un protocole additionnel au traité du 21 janvier 1929. Et le 20 février 1929, nous signons le traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage. Tout ça, il y a eu pour eux à limitation frontière de pays et ressources non partagées en commun. C'est eux qui permettent nous établir des bornes communes entre deux pays. Or, je disais à Samuel, après tout le monde qui a regardé et qui a attendu là, c'est que nous avons un ensemble de bornes qui disparaissent. Il y a qui trouvent en bas de l'eau, particulièrement en bas lac de l'eau, lac Azuia. Nous avons une borne 251 qui disparaît, qui probablement en bas terre. Nous avons une borne 240 et 241 qui en bas de l'eau, lac là. Mais éventuellement, entre borne 238 et 252, nous avons plusieurs autres bornes qui endommagent. Qu'est-ce qu'on a posé tellement? Est-ce que construction Musa, l'IPAP, rentrer dans la partie haïtienne pour réduire considérablement ça nous gagne comme espace territorial qui c'est 27 750 km². C'est question que nous devons poser tellement. Mais question nous devons poser tellement, plus encore, c'est que le gouvernement ça n'est pas en mesure pour discuter tête à tête avec l'autorité dominicaine, même Jean Jovenel Moïse de Confel, même Jean moi-même de Confel. Léo dit non, nous ne pouvons pas construire, nous ne pouvons pas prendre prise sur rivière Massacre. Nous disons non. Prise n'a pas sur rivière Massacre là, n'est pas contraire à traité que nous signons, mais particulièrement le traité du 20 février 1929, qui est le traité de paix. Alors, traité d'amitié, de paix perpétuelle et d'arbitrage. C'est le gouvernement ça qui porte parole, le gouvernement dominicain, sur la question construire, sans y pas questionner. Est-ce que Musa, li, pape, prend dans ça nous rien comme espace? Donc, en réalité, c'est un gouvernement qui est incapable. Mais li tout dit nous tout, les nous-mêmes, nous gagnons pour nous choisir. Les nous-mêmes, nous gagnons droit pour nous décider qui est-ce qu'on a choisi pour diriger nous. Nous avons choisi le monde nous connaît qui est capable de défendre les intérêts supérieurs de la nation ici. Moi, je voulais rapidement, pour me finir, garder ensemble avec nous, dernier 6 mois, ça y est, situation économique pays, situation politique et sociale pays. J'en ai tout ouvert là, situation économique, là, si elle continue comme ça, la rapprocher d'un désastre total. Dernier 6 mois, ça y est, la vie a vint piché en Haïti. Taux d'inflation li atteint bas de 24%. Situation extrêmement difficile. Goudla continue à déprécier par rapport au dollar. Je dis à ce marché informel là, on besoin plus que 120 goud pour gagner un dollar. Malgré taux de référence BRH là. Année fiscale 2020-2021, l'IF finit avec une croissance négative d'environ 2%. Et, ou pas, ouais, gouvernement ça, mais particulièrement Premier ministre, a fait aucun effort pour le redresser bas là. Objectif là, c'est qu'il y ait pouvoir. Objectif là, c'est faire élection pour le Premier ministre qui a protégé Ariel. Parce qu'il y a un pile soupçon contre lui. Ou pas ouais gagner aucun plan de redressement économique. Même Jean-Président Jovenel Moïse te gagne un
plan de redressement économique post-Covid que pour plan. Au contraire, le gouvernement a mis de ce côté. Donc, situation économique là extrêmement grave. Et après 8 mois, pas un gouvernement ça a fait. Il n'y a pas qu'à camper un conseil électoral provisoire, parce que tout simplement, Ariel Henry, Premier ministre, n'est pas inspiré confiance. Soupçon qui sous de lui pesait fort, au point que le refuser à répondre à la question de la justice. Donc, la situation est extrêmement grave. Conseil électoral pas qu'à monter. Ariel Henry refusait vraiment d'entrer dans une dynamique consensuelle avec de l'autre groupe dans la société. Mais plus que ça, ou pas capable d'engager un lien en termes de consensus avec Ariel Henry. Tout le monde qui est sérieux, tout le groupe qui est sérieux aujourd'hui a commandé Ariel Henry un seul bagage, à répondre à la question de la justice. Sinon, quitter Ariel Henry, organiser l'élection, tout le monde connaît ça, résultat, il va bien. Tout le monde qui est dans la situation Ariel Henry, qui a fait obstruction avec la justice, qui refusait à répondre à la question de la justice pour soupçonner de soudoul dans l'implication dans la mort du président Jovenel Moïse, eh bien, a seulement mis tout dispositif en place pour organiser une élection bidon pour moun kap élu président, sénateur et député, pour ces moun pal pour yo ka protéger pour pas jamais répondre à la question avec la justice. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Nous même kap suivre là, 56% moun ki te voté dans l'élection 2016 yo te voté président Jovenel Moïse. Est-ce que nous ka accepter un bagay comme ça? Fait. Pas quoi. Très probablement. Il est certain, pas besoin de dire probablement encore. Gouvernement ça qui là avec Ariel Henry dans tête li, pas qu'à organiser bon gens élection. Pas qu'à bailler président Jovenel Moïse justice. C'est un gouvernement légitime qui sorti à travers les urnes, mais c'est pas des élections que Ariel Henry va organiser qui qu'à bailler président Jovenel Moïse justice. Donc, je vais te la nommer. C'est nous pour engager. Moi-même, je suis un engagé pour la justice, pour la démocratie. C'est nous pour engager nous. Si nous croyons, il faut qu'on ait des dirigeants qui sont dignes, qui ont levé tête devant un pays étranger chaque fois qu'il y a une dérive. Si nous croyons, il faut qu'on ait des dirigeants qui est capable de défendre les intérêts supérieurs de la nation, c'est nous qui avons une balle là dans le pied, nous. C'est nous qui pouvons engager. Je finis pour me dire que conviction plus fort que je ne déconnais, malgré intimidation, pour mettre étirer sécurité, un pape ébranlé. Conviction faite plus que jamais pour le président Jovenel Moïse de justice. Malgré persécution politique, ça y est, pas qu'à craquer. Moi, renouveler l'engagement pour le président Jovenel Moïse de justice, mais surtout, moi, renouveler l'engagement pour l'héritage du président Jovenel Moïse, tout le monde, pour mémoire. Président Jovenel Moïse, protégé. Merci un peu.